وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي بقناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوة المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوة الجدد على القناة، إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة فالمرجو أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. لما شاء الله مع الدرس الثاني ديال لي فورم دو فراز نيميرو 2. الدرس الأول شفناه، المرجو من الاخوان والاخوات اللي اول مره كيشاهدوا القناه لاول مره كيشاهدوا هذا الدرس فيرجعوا، راه كاين الدرس الاول ضروري انكم تفهموا، لان علاش لا فورم دو لا فراز وبيا لي فورم دو لا فراز. كاين دو فورم، كاين لا فورم افيرماتيف توكيديه ولا فورم نيجاتيف هي ديال النفي. الوغ ضروري خصني نفهم لي دو، لان بعض المرات فاش كيسولك شي واحد يا اما غتجاوبو بان tu as fait cette chose او بيان tu n'as pas fait. C'est bon. Alors, je dois faire attention. Je dois les types ou bien les formes de la phrase de façon correcte. Et le cours est important. Je vous remercie de vous remercier de vous remercier de vous remercier. Dans la forme affirmative, qu'on a dit Tawkidia, la forme affirmative, je vais vous remercier dans la phrase quelque chose de dirigé chez Haja. C'est bon. Quelque chose chez Haja. Alors, à la forme négative, Nafi, هاد quelque chose ça devient ne le va rien حتى شي حاجة بالدارجة ne rien quelque part شي بلاصة كترجم ne nulle part حتى شي بلاصة بالدارجة quelqu'un شي حد كترجم personne ne حتى شي حد c'est clair alors هادو خصكم تحفظهم إخواني أخواتي alors par exemple je dis je bois, ashrabu, shi haja, quelque chose. Je bois quelque chose. Kanchab shi haja. Brit nfiha, ad l'jumla nfiha. Donc, quelque chose, je la remplace par ne rien. Ou ne rien fi kaksba, ne avant le verbe et rien après le verbe. Alors, je dis je, ne avant le verbe, bois, quelque chose qu'on n'aura rien après le verbe. Je ne vois rien. Et voilà. A dit la phrase affirmative, Tokidia, a dit la phrase négative. Je bois quelque chose. Kanchab shi haja. Je ne bois rien. Kanchab hta shi haja. La deuxième, quelque part. Alors je dis, je vais, radin mshi, je vais quelque part. Quelque part, c'est la même règle que j'ai appliquée ici, je vais l'appliquer ici. Alors, ne nulle part, quelque part, ça devient ne nulle part à la forme négative. Alors, ne, quelque part, comme le verbe, alors je dis je, ne, le verbe, après j'ajoute la deuxième partie du mot négatif. Nulle part, je ne vais nulle part. Voilà. Troisième, quelqu'un. C'est bon, quelqu'un. Quelqu'un frappe la porte ou bien quelqu'un. Quelqu'un a téléphoné. Chi had tassal a téléphoné. Bilhatif. Alors, j'écris personne ne, ça remplace quelqu'un. Personne. N apostrophe. Parce qu'il y a voyelle ici, ma kaktvouchne, a téléphoné. Personne n'a téléphoné. Et voilà la forme négative. Adiyat tariqa ikhwani akhawati. C'est clair? Par exemple, quelqu'un va te poser une question. Si wah brisoul, c'est clair? Brisoul, tu as vu quelqu'un? Tu as vu quelqu'un? Ou chti chi wah? Ou bien, tu vois quelqu'un? Non! Je ne vois personne. C'est clair? Tu manges quelque chose? Non, je ne mange rien. C'est bon. Tu vas quelque part? Non, je ne vais nulle part. Ou la petite de la phrase affirmative, quand tu s'amènes quelque chose, quelque part, ou bien quelqu'un. J'espère que vous avez bien compris. Vous allez quelque part. Non, je ne vais nulle part.
J'espère que vous avez bien compris. D'abord, on va nous faire le temps qui est composé. On a un verbe واحد. C'est bon, verbe واحد, la phrase. D'abord, on va voir le temps composé. Pas le passé composé, pas le futur proche, pas le passé récent, ainsi de suite. On va voir les mots de la négation. Alors, on va prendre un petit là. نخدم au passé composé ou là il est temps ou là في le futur proche je vais sofa je vais boire je vais manger par exemple sofa akulu quelque chose sofa akulu شي حاجه شي انما صح alors là كما كتلاحظوا كاين deux verbes c'est un temps composé. Alors, fais-je qu'il y a le temps composé, had, ne, rien, ou là, ne, nul, pas, ou bien, personne, ne, encadre, c'est pas personne, seulement les deux, encadre le verbe, l'auxiliaire, encadre le premier verbe, encadre l'auxiliaire, le fi'l musa'id. Alors, je dis, je, ne, qu'bel l'auxiliaire, parce que ici, c'est l'auxiliaire, allez, je ne vais, n'ai qu'actu rien. C'est clair, il y en a qu'à encadrer le premier verbe. Je ne vais rien manger. Je dis pas je ne vais manger rien. Non, c'est faux. Je ne vais rien manger. C'est clair. La deuxième, par exemple, tu es allé quelque part. M'chiti shiblasa. Alors, la réponse, ou bien la phrase affirmative dans la phrase négative. Alors, je dis, tu, n'est ne, comment l'auxiliaire, c'est bon, ou quand dire l'auxiliaire, n'est e, ma, e, quand je voulais être e, quand dire accent. Après, j'ajoute, nulle part, nulle je n'ai nulle part. Et j'ajoute le participe passé. Allez. J'espère que c'est clair, Khouani Khawat. Parce qu'il court le temps composé, je dois faire attention. Parce qu'il court le temps composé, j'encadre avec les mots de négation seulement le participe passé, ou bien l'auxiliaire, ou bien le premier verbe. C'est clair? Il y a imaf le passé composé, ou la le futur proche, ou la le passé récent, ou la le plus que parfait, ainsi de suite. Je mets les temps. Quand je vois le verbe se compose de deux parties, j'encadre le premier verbe par ne rien, ne nulle pas, ou bien ne personne. J'espère que vous avez bien compris de la leçon à dire. Alors, je vais vous dire ce que je veux dire. Alors, je vais vous dire ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui est dit, je vais vous dire, tu es allé quelque part? Non! Je ne suis nulle part allé. C'est clair? Tu as écrit quelque chose? Non, je ne suis. Je ne. Par exemple, je vais prendre la phrase une question. Tu as écrit quelque chose? Alors, la réponse Bnafi, la phrase affirmative, c'est là. Oui, j'ai écrit une lettre, ou bien un message, ou bien ainsi de suite. Voilà qui l'a brite Bnafi. Alors, je dois dire, je, quelque chose, donc ne rien. Donc, je dis, je, n'ai, puisque c'est le verbe avoir, tu as, je, j'ai, je n'ai rien. Écrit. Et voilà, ma phrase est correcte. J'espère que vous avez bien compris la leçon. C'est très très important. Les phrases affirmatives ou les phrases négatives. D'abord, l'utilisation de la phrase négative. Et rajoutez le cas de l'autre. Le cas de l'autre, c'est
راه متعلق بلي فراز وبيان لي فام دو فراز. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم للدرس الى النهايه. تبارك الله عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.